Ajouter un autre. Ah merde, Maddy, elle est plus dispo, ça c'est con. J'aurais bien invité, sinon c'est dommage. T'es avec Bruno. Wesh, mon amour. T'es mon amoureux. Attends, je vais le mettre modérateur. Je vais mettre mon amoureux modérateur. Y a monsieur Bruno Graffeur. Attends, ajouter des invités. Oh, je peux pas ajouter Bruno. Mais c'est drôle en vrai. Ouais, y'a mon amoureux sur le live. Bruno Graffeur. Oui, parce qu'on est en couple maintenant, c'est du sérieux, les gars. C'est pour la vie, hein. Moi, je suis gay. Ouais. D'ailleurs, Bruno, t'as vu, Maxi nous a invités à son anniv. C'est personnel, c'est des petites histoires d'amour, vous pouvez pas comprendre. C'est des petits trucs entre nous, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des choses que vous pouvez comprendre, ça. T'as envoyé des j'aime. Ah, merci, ça fait plaisir. Moi, je suis gay. Ah! Wesh, wesh, Bruno, non, genre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, parce que, franchement, là, le compte, il explose, mon compte. Vraiment, ça grimpe à mort. Donc, merci à tous ceux qui arrivent, ça fait plaisir. Je sais pas si Bruno, il est encore là. Mais likez, les petits potes. On arrive à... Vous voyez pas, mais on a 3,6K de j'aime. Il faut qu'on arrive à 10K. Okay, donc, likez-le, ça me fait plaisir. Et surtout, vous avez à peu près 30 minutes pour me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, faites-le. Faites-le, vous êtes 31 en ligne. Je vous embrasse tous. Donc, partez pas. Vous êtes les 31 meilleurs de ma communauté. Là, vous êtes 31. Regardez, vous êtes les meilleurs, je vous assure. Posez-moi des questions. Je réponds à toutes les questions, même les plus intimes. Donc, répondez... Enfin, posez-les-moi, plutôt. Bruno, et toi? Bruno, manifeste-toi. Ouais, il a dû aller se coucher. On a beaucoup papoté. Trop mignon, votre histoire d'amour. Ah, t'es avec Bruno? Bah oui. On est, en fait, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu as quel âge? 24 ans. Yo, ça va, je réponds à toutes vos questions, donc je vous jure, faites péter les likes, faites-moi plaisir. Likez un maximum ce live, comme ça me fait monter dans les tendances. Et puis je réponds à toutes vos questions, je suis obligé. Donc vous pouvez répondre à ce que vous voulez. Je réponds. Moi, je suis lesbienne. Ah, depuis combien de temps? Oh, qu'on se connaît ou qu'on est ensemble? Quelle est la femelle du hamster? Merde, j'ai des questions. C'est quand on anniv, juste pour savoir. C'est le 30 octobre. Claire. Un jour, on pourra se voir, toi et Bruno. On pourra se... Bah oui. Si vous voyez qu'on passe dans votre ville, vous nous envoyez un message. Moi, je réponds beaucoup sur Instagram. Voilà. Mais juste, Bruno, il est triste que Maddy l'a quitté. Bah non, puisqu'il est avec moi. Heureusement qu'il est pas triste. Tu veux habiter avec Bruno? Mystère et boule de gomme. Tu veux habiter avec Bruno? Bah, c'est une grande question, hein, les petits potes. C'est pas évident d'habiter avec quelqu'un non plus. Hein. Voilà. Mais ouais. Ça serait une belle chose en vrai. On est à 5,5K de likes. On passe à 10K, les gars. 10K, c'est très important. On fait monter le live dans les tendances. Et je pense qu'à ce heure-ci, c'est déjà pas mal. Donc, aimez le like un max... Le like. Aimez le live un maximum. Ouais, posez-moi vos questions, c'est important. Coucou, OC, t'as vu pourquoi je te réponds pas? Ouais, 5,7K de likes, c'est énorme, en vrai. Envoyez des j'aime. Merci pour tous ceux qui envoient des j'aime. Ça fait plaisir, ça coûte rien et ça me fait monter le live dans les tendances. Tu peux chanter. C'est quoi cette question? Mais non. Ouais, avec Bruno, on est en couple. C'est du très sérieux, moi, je vous le dis, moi. Du très, très sérieux. Voilà. Donc, ça fait plaisir parce qu'il n'était pas sûr de ses sentiments. Et du coup, bah voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir que... Bah, qu'on soit ensemble. C'est clair que c'est pas... C'est pas évident, c'était pas évident de le voir avec Maddy tout le temps, mais voilà. Là, il a fait son choix, donc c'est cool. Après, je lui ai un peu mis la pression aussi. C'est du fake avec Bruno. Tu verras. La suite, vous allez être choqués de la suite, les gars. Vous allez être choqués. Même pas vous attendez un dixième de ce qui va se passer. Même pas vous imaginez ce qui va se passer. Même pas.
Vas-y, posez-moi des questions si vous voulez, mais je suis sûr que même pas un dixième de vous s'imagine de ce qui va se passer. S'il y en a un qui s'imagine ce qui va se passer ici, je lui paye le resto tout de suite. S'il trouve ce qui va se passer, je vous paye le resto tout de suite. Je m'attendais pas. Bah ouais, mais c'est ça aussi l'histoire, tu vois. Monsieur abonné, bah merci les petits potes. Likez en masse le live, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Au moins, ça le refait monter dans les tendances. T'es avec lui? Bah ouais. J'ai réussi à l'extirper de Maddy. C'était une galère, les gars, vous imaginez pas. Il m'a fallu une semaine pour faire prendre conscience à Bruno que c'était pas Maddy. C'était pas Maddy, quoi, tout simplement. Maddy, c'était éphémère, quoi. Et voilà. Et du coup, on en est là. On est là, et ça fait plaisir. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous marier. Non. Enfin, peut-être. Putain, il a trouvé. Elle a trouvé. Non, non, on va pas se marier. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je galère avec ma lumière, je suis désolé. Adopter un enfant. Ah, c'est un truc aussi gros qu'une adoption. Je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. C'est un drama? Non, pas du tout. Vous allez kiffer votre race. Si on arrive à le mettre en place, vous allez kiffer votre race. Vous allez vraiment aimer. Vous allez être devant vos écrans là, et vous allez vous dire, oh putain, c'est des génies. Tu pars en vacances. Ah, c'est mieux que des vacances, je te le garantis. C'est un drama? Non. Non plus. À quand la suite? La suite de quoi, Kylian? T'as déjà visité le Mont Saint-Odile? Bah non, mais j'aimerais bien. Invite-moi. Allez, l'annonce de vos parents. T'as déjà visité un indice? Ah non, c'est à vous de deviner, les petits potes. Aimez ce like en masse, s'il vous plaît. Hâte de voir la suite. Bah, je sais pas. Est-ce que déjà la petite histoire. La petite histoire vraie de Maddy, tout ça, est-ce que ça vous plaît? Pourquoi ton pseudo c'est Vernex? Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi tu trouves ça nul? Dis-moi si tu trouves ça nul, je le change. Hein. Voilà. Mon pseudo c'est Vernex parce que mon nom de famille ressemble beaucoup à ce nom-là. Et du coup, tous mes potes quand j'étais petit m'appelaient comme ça. Du coup, je ne vais pas donner mon nom de famille. Non, je rigole. C'est Martin Vernet sur Facebook. Vous pouvez tous m'ajouter, ça me fera plaisir. Et du coup, Vernex, tu vois, c'était mon nom de famille. Ça va, Bruno? Ça va, ça va. Je sais pas où il est, mais oui, il va bien. Il va très bien, puisqu'il vient de passer sur mon live, là. Je suis fan de toi. Oh, comment ça fait plaisir, ce genre de commentaires. Carrément, je vous kiffe, je vous embrasse, ceux qui sont aussi gentils. Et vous savez que en vrai. Attends, je vais prendre cette lumière là. Oh, on est dans le noir. En vrai, ça fait genre. Je galère avec ma lumière. Ça fait genre une semaine. Vraiment, je sais pas pourquoi. Et ça fait ambiance tamisée là. Hein. Ah, trop tamisée. Ça fait genre une semaine. À peu près que je reçois des messages, mais genre trop gentils. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes trop gentil. Et en vrai, ça fait du bien parce que je me suis toujours fait tailler sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment beaucoup. Je suis pas une pleureuse, hein, mais c'est cool. Vraiment, c'est cool, vous imaginez pas. Donc, vraiment, vous êtes les bestes. Ceux qui sont là à 23h, ou je sais pas quelle heure il est, là, il doit être minuit, à commenter sous le live, à rester, tout ça, franchement, vous êtes les meilleurs. Et je vous jure que si un jour je vous croise dans la rue, bah, je vous ferai d'énormes bisous, les gars, parce que vraiment, vous êtes les meilleurs. Et puis, on vous oubliera pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, je pense à Claire, par exemple, qui est dans le live, là, ou il y en a plein d'autres, hein, bah, qui sont là tous les jours, et vraiment, on les voit. On les voit et on vous oubliera pas. Voilà. Donc, j'ai pas répondu à toutes les questions, mais en gros, c'était juste un petit message pour vous remercier très, très fortement, parce que vous êtes les meilleurs. Vraiment. Donc, toi, là. Qui est derrière ton écran et qui regarde, bah vous êtes les bestes, les gars. Tout ça, c'est grâce à vous quand même, parce que, quand même, quoi qu'on dise, hein, TikTok, ça change nos vies. Nous, ça a changé quand même nos vies, avec Bruno.
Maddy aussi, ça a changé sa vie. Moi, ça a changé ma vie. Bruno, ça a changé sa vie. Voilà, ça c'est grâce à vous, les gars. Donc si t'es derrière ton téléphone et que tu suis des TikTokers, même pas forcément moi ou Bruno ou Maddy ou n'importe qui, si tu suis des TikTokers tous les jours et que tous les jours tu leur donnes de la force, ben, sache que tu fais partie de leur vie, même s'ils le savent pas. Nous aussi, on t'oubliera jamais. Oh, ça fait trop plaisir, les gars. Vraiment. Franchement, merci. Tu viens d'où? Je viens d'Alsace. Sohan. Salut, Sohan. Tu en penses quoi de Kaby et Charlie D'Amelio? Ben, je pense qu'ils ont été très, très intelligents. Parce qu'ils ont utilisé des formats qui sont universels. Et moi, j'ai pas ce format-là universel en mode je parle pas. Quand un format universel, c'est un format où tu parles pas. Donc on voit que de l'image. Et donc c'est cool. Tu en penses quoi de Kaby? Bah voilà, j'ai répondu. Vous allez sortir un livre? Pourquoi on a tellement de choses à raconter? Bonne nuit, coin coin, dors bien. Fais de beaux rêves. Je t'envoie un message après. Tu parles anglais? Ouais. I speak English. Les gars, j'avais dit en vrai, j'avais dit à 9000 j'aime, vous les voyez pas. Ça fait 9000 gemmes quand même. À 9000 gemmes, j'avais dit à 10 000 jeux déco, on est à 9000. Donc il en manque 1000. Et je m'en vais. merci de tous ceux qui like le live. Tu comprendras jamais à quel point on t'adore et on t'oubliera jamais. Oh, ça fait plaisir. Eh hey, mais les gars, vous avez quoi à être trop gentils ce soir? D'habitude, je me fais tailler, je comprends pas ma... Qu'est-ce qui se passe à ma vie? Tu comptes créer une house? Oh, j'aimerais tellement, en vrai. Oh, putain, mais ça serait une bête d'idée. Hein. T'imagines tous les gens que je pourrais faire venir, laisse tomber. Et tu comptes créer une house? Putain, ouais, une sacrée idée. Sinon, tu fais quoi? Je trouve qu'il faut dire des mots sympas au quotidien. Bah, ça serait gentil. Mais vous imaginez pas, vous consommez les vidéos que nous, on crée. Vous imaginez pas le nombre de messages méchants qu'on reçoit tous les jours, mais tous, vraiment tous, vous imaginez pas. Genre, c'est un truc de malade. On reçoit des milliers, des milliers de messages négatifs. Et c'est vrai que si t'es fragile mentalement et que tu fais trop attention à ça, et Squeezie le disait dans ses vidéos, si tu fais attention à tout ce que les gens y disent de méchant, mais tu te tires une balle. Voilà. C'est bien d'être gentil avec des gens ou des stars. Ça fait rien de plus que des gens en général, tu vois. Genre, y a des gens avec qui je suis devenu pote et d'autres avec qui je suis pas devenu pote. Même si t'es pas abonné à nous, tu seras. Mais fais pas gaffe aux critiques, grave. Faut pas faire gaffe aux critiques. Faut écouter Illuminate. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Ouais, sûrement, mais et tu sais, quand t'as beaucoup de gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ça fait du monde. Regarde, je sais pas si vous avez vu Benoît Chevalier, là, qui est en train de se battre avec sa communauté, parce qu'il a, du monde qui le taille. En vrai, ça se voit, c'est un gars, il charbonne tous les jours sur ses vidéos, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le gars, il est respectable, vraiment. C'est ouf, quoi, genre... Et le gars, il se fait tailler par sa communauté, quoi. T'es parti en vacances? Ouais, je suis parti en vacances. J'en avais bien besoin. T'es en couple avec Bruno, j'aimerais trop. Ouais. Je l'aime pas, Benoît Chevalier. Bah, c'est ton choix. T'as le droit de... Moi, il y a plein de gens qui m'aiment pas, plein de gens qui m'aiment, et Benoît Chevalier, c'est encore pire. Viens, ta vie, et reste comme tu es. Bah, ça, c'est grave gentil, mon gars. En plus, vous prenez de temps pour divertir les gens. Bah ouais, c'est notre boulot. On se rend pas compte, mais TikTok, ça change des vies quand même. Quand je vous dis que ça change des vies, c'est que moi, j'ai arrêté mon boulot. Enfin, j'ai arrêté mon travail pour me consacrer à TikTok, quoi. Et pas que, mais quand même. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté mon boulot comme ça, quoi. J'ai quand même réfléchi avant, et puis j'ai un diplôme aussi à côté au cas où.
Et voilà, donc c'est pas un choix facile à faire, mais je l'ai fait. Et Bruno aussi l'a fait à l'époque. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Faut pas croire que tout arrive. Parce que juste avec TikTok, on n'en vit pas, les gars. Moi, franchement, je te trouve génial. Bah, franchement, Sacha, c'est vraiment cool ce genre de message. Tu es avec Bruno là? Bah non, il dort, je pense. Ça fait plaisir ce genre de message, les petits potes. Oh my god, tu es le best. Vous avez quoi là? Voilà. Tu ferais quoi comme métier s'il n'avait plus les réseaux sociaux? Bah en fait, je suis éducateur spécialisé. Voilà. Je travaille avec des enfants abandonnés. Je travaillais. Tu pourras montrer mon dernier TikTok à Bruno, j'ai besoin de son avis. Bah envoie-lui sur Insta. Je pense qu'il te répondra. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un message là. Putain, t'as bien fait de ramener Val à la villa bien wesh BG. Merci Soso, ça fait plaisir ce genre de com. Ça me fait rire en vrai. Ouais, mais il y a un is one that. Je comprends pas l'anglais, désolé. Non, je rigole. Allez, mettez des petits j'aime là à ce live, les gars. Et abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, ça ferait plaisir. J'ai dit à 10 000 j'aime, je coupe le live, quoi qu'il arrive. Il y en a 9 300. Voilà. Que vous sachiez, il y a 9 300 j'aime et j'ai dit à 10 000 j'arrête. C'est vous qui nous régalez avec votre contenu sur les réseaux sociaux, ça rend heureux des gens. C'est vrai, Claire? Et Claire, regarde. Je sais pas si tu vois, mais là-bas, il y a le message que tu m'as donné à Paris. Je l'ai affiché dans ma chambre. En fait, Claire, c'est une abonnée qu'on a rencontrée à Paris. Et elle m'avait fait un petit message. Il est là, regarde. Tu vois, avec la photo. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les gars, quand vous nous arrêtez dans la rue et que vous êtes beaucoup, bah, je vous assure que c'est énorme pour nous. Parce que vous vous rendez pas compte, mais vous avez quand même un énorme impact sur nos vies. Et du coup, bah voilà. Claire, c'était une des dizaines d'abonnés qu'on a rencontrés dans la rue, quoi. T'as vu qui comme influenceur? Oh là là, j'ai vu tout le monde en vrai presque. Alors, il y a des gens avec qui je suis devenu très pote, d'autres avec qui je suis devenu un peu pote. Je sais pas, dis-moi qui c'est que t'aimes bien, je te dirai si je l'ai vu. Tu veux pas faire une vidéo où tu dessines avec Bruno? Je sais pas dessiner, gros. Moi, je fais de la musique à la base. Tu vas créer un livre. Pourquoi vous voulez que je crée un livre? C'est parce que ma petite histoire entre Maddy, Valentin, tout ça vous a plu, c'est ça? Vous voulez que je crée des livres? J'ai pas Insta, mais c'est pas grave, si tu peux pas lui montrer, ne te force pas pour moi. Bah non, mais envoie-lui un message si tu peux. T'as son adresse mail, je suis sûr il te répondra. Ça reste entre toi et moi. Tu penses quoi de la Végéta culte? Je connais pas, je suis désolé. Maddy et Valentin, ils sont en couple. Ouais, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé. Les petits potes, on est à 10 000. Je pourrais rester avec vous toute la night pour vous répondre. Mais hélas, je vais pas le faire. Puisque je préfère que ça soit croustillant quand je viens. Et là, c'était un petit live. On est à 10 000 j'aime. C'est parfait pour moi. Ça me va. Donc, je vous fais des gros bisous. Et surtout, si vous avez des questions, continuez à me les poser sur Insta. Parce que là, je vais faire une petite session sur Insta. Voilà. Posez-moi vos questions sur Insta. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et ça, je vous le jure que c'est vrai. Et je vous fais des bisous pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà. Si jamais vous avez envie de me parler encore un petit peu.